Bonjour les amis, bonjour Team Spotless, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir chez moi. Alors aujourd'hui je vous emmène dans ma cuisine, je vais continuer ma décoration du printemps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vais commencer par le coin cuisine. Avant tout, je voudrais faire un petit coucou à une abonnée qui nous suit depuis Cape Town en Afrique du Sud. Elle s'appelle Daniela. Alors Daniela, recevez toutes mes salutations depuis Calgary, dans l'Ouest canadien. Revenons à notre décoration maintenant. En fait, ce que j'ai fait, j'ai posé deux décorations murales et à l'intérieur, j'ai mis deux plantes vertes. Passant à la table, je vais nettoyer ma surface avec le produit Bon Ami. Alors sur ma table, je vais placer ce chemin de table. Alors il est très grand, il tombe même sur les deux chaises. Alors ce que je vais faire, je vais le raccourcir en créant des plis. Alors pour sécuriser les plis, je vais repasser donc mon chemin de table. Vous pouvez aussi sécuriser avec des pins, comme ça vous n'aurez pas à refaire les plis à chaque fois. Mais aujourd'hui je vais juste les repasser. Je vais maintenant déposer ce vase. À l'intérieur je vais mettre un bouquet de fleurs qui est similaire au bouquet de fleurs qui est actuellement au salon. Alors la dernière fois j'avais fait une vidéo sur mon salon, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder cette vidéo. Et voilà le bouquet qui est actuellement au salon. Et de ce côté, je vais accrocher ce collier de perles. Passons au comptoir maintenant. Alors, je vais déposer ce bouquet de lavande. Ensuite, je vais placer ce bol de fruits. Alors ici, je vais juste changer mon pot à ustensiles. J'en ai un blanc, j'en ai un gris. Aujourd'hui, c'est le gris. Ensuite, je dépose ce pose-cuillère sur la cuisinière. Et je vais de ce côté, je vais poser toutes mes huiles de cuisson sur ce plateau en marbre. À côté de l'évier, je vais placer cette petite échelle. En fait, je vais mettre un torchon, c'est pour s'essuyer les mains, j'en ai deux. L'autre torchon ira sur la porte du four. Voilà. Et à côté donc de ma petite échelle, je vais placer ce pot de fleurs, voilà, de la lavande. Et c'est terminé avec la péninsule. Alors avant de passer donc à l'îlot, je vais déplacer mes plantes. Je vais mettre la lanterne derrière donc mon canapé et je vais placer donc cette plante vers le côté bureau de la cuisine. Et je vais passer mon suifeur pour dépoussiérer un peu. Sur le coin bureau, je vais mettre ce cadre et donc ce vase. Un cadre qui dit « Choose happiness ». Je pense que dans la vie, il faut toujours choisir le bonheur. Et sur la porte du four, je vais placer mon deuxième torchon. Le premier, c'est celui qui est sur l'échelle vers l'évier. Voilà, passons à l'îlot maintenant. Je vais d'abord le nettoyer, le faire briller avec cette huile d'eucalyptus. Alors voilà mon comptoir qui est tout brillant. Alors je vais déposer ce panier, ensuite je vais mettre donc un vase, un très vieux vase que j'avais acheté à Pier One, donc je l'ai depuis des années. Alors j'ai ce bouquet de fleurs, un très joli bouquet, je ne vais pas le mettre à l'intérieur du vase, mais je vais plutôt le placer sur le travers de mon panier. Voilà, j'ai bientôt terminé. Je m'assure que tous les comptoirs aussi brillent. Alors, ce que je fais, je vais passer donc ce petit coup de chiffon et je vais aussi balayer le sol.
Voilà, la cuisine est spotless. Je vais conclure en mettant ce tapis sur le sol. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de la commenter. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.